L'armée malienne dans le collimateur de la Fédération internationale des droits de l'homme. 13 jours après le début de l'intervention française qui a donné un coup d'arrêt à la progression des islamistes vers le sud, deux organisations de défense des droits de l'homme ont demandé l'ouverture d'une enquête sur des accusations d'exactions commises par les troupes maliennes dans le centre du pays, notamment dans les villes de Sévaré, Mopti et Niono. Dans la ville de Sévaré, on a pu confirmer que 11 personnes avaient été exécutées sommairement à partir du 10 janvier 2013, peu après la prise de Kona. On sait aussi que deux personnes ont été exécutées à l'ouest du pays, dans les environs de la ville de Niro. Et on a des allégations qui nous viennent un peu partout dans le pays, comme quoi il y aurait eu des exécutions sommaires réalisées par des éléments des forces maliennes. Selon la Fédération internationale des droits de l'homme, dans la région de Niono, deux Maliens d'origine Touareg auraient été exécutés par des soldats maliens. L'organisation a affirmé détenir des informations crédibles sur une vingtaine d'autres cas d'exécution à Sévaré, où les corps auraient été enterrés en toute hâte dans des puits. La communauté Touareg est la principale victime de ces exactions. Des individus sont pris pour cible parce qu'ils ne peuvent pas justifier leur identité, parce qu'ils ne peuvent pas justifier de famille dans cette ville-là, et parce que souvent ils sont Touareg ou assimilés comme population du Nord et sont ciblés pour délit de faciès en quelque sorte. L'armée malienne se sent humiliée d'avoir subi des défaites au cours de l'année 2012, souhaite prendre une certaine forme de revanche, et on a peur que cette revanche se focalise sur des populations civiles. D'autant plus que les djihadistes sont quand même des civils en armes, ils sont habillés de façon civile, et faire la distinction entre civils et combattants djihadistes n'est pas aisé. Le ministre français de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a appelé à encadrer l'armée malienne et à être extrêmement vigilant vers les risques d'exaction. De son côté, le gouvernement malien a déclaré dans un communiqué mercredi soir qu'il n'était pas question pour les autorités de cautionner des actes qu'eux-mêmes reprochent aux terroristes. Enfin, l'ONU s'est dit très préoccupée par les rapports évoquant la possibilité de lutte et de combats ethniques et par les exactions présumées commises à titre de revanche.